saluto tempo a circa le cose le più strane a conta per chi la musica abbia punta e vuole un sperato una vita e vuole un sperato una vita e voglio anche se così ragna d'una e un scritto una storia per chi anche lui si balla senza vergogna d'un poeta, ma senza vergogna d'un poeta, ma la carezza orce d'una vena e l'usi campa e si racconta quando lo poeta si mette a pensare sempre d'un sogno o di verità. Il s'agit de lei devant vous, les membres les plus éminents de l'association de droit du Bâle, région. Essentiellement de sympathisants du droit, parfois en activité, avocats, juges, parfois à la retraite, ou tout simplement des gens qui s'intéressent un peu à la ruralité, et notamment à la ruralité dans cette île. C'est ainsi que nous avons entrepris de la découvrir de la manière la plus précise et la plus complète possible. On a passé en revue pratiquement toutes les filières, en tout cas certainement les filières les plus intéressantes, et il y a un an, nous étions reçus par un vigneron, à titre personnel bien sûr, qui produit donc du raisin, qui vinifie, qui a fait l'investissement et qui commercialise. Il s'appelle M. Mario Tibi, vous le connaissez peut-être, bien installé dans un terroir très particulier. La réflexion qui est menée par la filière viticole, c'est que pour exister dans le monde du vin, vous devez exister par le volume. Si vous n'avez pas de volume, vous n'existez pas. Et donc aujourd'hui, la structure coopérative et la cave d'Aléaire sont le régulateur de la filière viticole corse. Sans nous, autant dire qu'on ne serait pas dans la grande distribution, on ne serait pas dans la consommation courante et continue. Et donc on se retrouverait dans une filière qui serait une filière d'appoint avec des touristes qui viendraient faire le tour des caveaux, déguster quelques bouteilles de vin directement dans les petites caves, dans les caves particulières, mais qui ne retrouveraient pas à l'extérieur de vin. Donc on se retrouverait dans une filière qui serait dans une phase plutôt descendante et morte plutôt que dans une phase de croissance. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 1600 hectares de vignes, que notre vignoble s'étend du sud de Bastia, on va dire, bord, au plus au nord, jusque, on dira, Ghisonaccia, plus au sud. Voilà, donc sur à peu près 80-90 km. On rentre un peu à l'intérieur des terres avec quelques plateaux comme celui de Pjanić. 5-10 km sur les terres. Donc on a toute cette bande. Pour répondre à ce que disait Christian sur la partie coopérative et domaine, ben moi ce que je réponds c'est que les arguments qu'on peut avoir nous en coopérative, c'est qu'on peut se défendre d'avoir 4 terroirs complètement différents, qu'un domaine ne pourra jamais avoir, puisqu'un domaine ne pourra avoir que les quelques hectares de vignes qui l'entourent. Donc ça veut dire qu'on a des terrains très argileux, hein, sur le plateau de Pjanić où les terres sont rouges. On a des terroirs limoneux, on a des biocènes qui sont des très 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 bons terroirs. On trouve un tout petit peu de calcaire à quelques endroits et également des alluvions et des terroirs un peu sablonneux. Donc ça crée quand même une certaine richesse au niveau du sol, cette pluralité de terroirs. Au niveau des cépages, c'est ce que disait Christian, bon, mais bien évidemment les cépages corses. Nilouch, Tchacarel, Vermentine. Aujourd'hui, on replante le Tchacarel, enfin, on en plante beaucoup, on plante du Vermentine, puisque ce qui est en vogue, c'est nos rosés et nos blancs. Les blancs sont en train de bien monter et d'avoir une reconnaissance, notamment nationale, voire internationale. 40 passages par nuit, à peu près, une quarantaine de camions par nuit. Ci mettimo a cantare per sunia.
aujourd'hui, ça pose un problème quand vous prenez des bouteilles à l'extérieur qui sont à 30 degrés, que vous mettez du vin qui lui est à 10 degrés, vous avez de la condensation, et ensuite quand ça passe à la chaîne et que vous avez besoin de coller les étiquettes dessus, ça nous pose des problèmes, ça nous joue des tours sur la qualité, sur la présentation des produits. Et donc on veut vraiment rentrer dans le 21e siècle et sortir du système dans lequel on est aujourd'hui. Alors en même temps que ça, toute la technique que vous avez pu voir, qui commence aussi à vieillir, qui commence à être fatiguée, va être installée à cet emplacement-là. Et vous voyez qu'on a, commencé à mettre l'électricité, les groupes de froid, l'air liquide, l'azote. Toutes nos cuves vont être maintenant sous azote, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problème de manque dans les cuves. Quand vous avez de l'oxygène qui se met dans une cuve de vin, vous pouvez avoir de l'oxydation et vous pouvez tourner au vinaigre. Quand vous y mettez une couche d'azote, vous n'avez pas besoin de mettre vos cuves en vidange. Alors on appelle une cuve en vidange quand vous êtes à moitié d'une cuve, vous êtes obligé de la vidanger dans une cuve plus petite pour justement pas avoir cet oxygène. Aujourd'hui, le manque de la cuve, on va le remplir avec de l'azote. C'est du premier siècle où tu vois la cave. La cave, c'est les archéologues français. Une cave plus modeste que la vôtre. Certainement. Après l'embranchement de l'étang, dans la courbe, vous l'avez sur la butte, comme ça vous avez une forteresse. Donc c'est le domaine Pétoigne. Donc on a sélectionné les parcelles qui nous ont autour. On a sélectionné une parcelle de Vermentine, une parcelle de Chacarel, de Denis Louch. On colle la Marianne. Ah oui.
remarque le laser. Oui. Ah oui. Le marquage de l'eau. Dans les boîtes. Ouais. Lève le rasier à sa place.